Actunote en direct depuis le boat de Düsseldorf. Je suis dans le hall 4 devant le stand d'un tout jeune chantier. Il est finlandais ce chantier, c'est Valkama. Et Valkama, il a lancé ces derniers mois son tout premier bateau. C'est un bateau électrique, voilà, bien dans l'air du temps. Et ce bateau électrique, sa spécificité, pardon, c'est que c'est en aluminium. Merci de me passer devant. Voilà, c'est en aluminium et cet aluminium, il est en fait chauffé avant de passer dans des presses automobiles de 5000 tonnes. Ça se déroule en Finlande. Et ce qui permet de donner à ce bateau un design qui est loin d'être celui d'un bateau en aluminium. Alors, pourquoi une construction en aluminium pour ce bateau électrique pour Valkama? Ben, c'est une question en fait de recyclage, voilà, et de poids. Mais regardez quand même ce design, c'est incroyable. On pourrait imaginer que ce bateau est en composite. Eh bien, il n'est pas en composite, c'est de l'aluminium. C'est magnifique. Regardez-moi ces courbures. Voilà. Alors, il y a trois parties hein, qui composent cette coque. Donc, l'usine qui procède au pressage à chaud de ces plaques d'aluminium, ben, elle livre le chantier Valkama qui les assemble. Voilà, pour un très beau rendu. Alors, ce bateau, c'est un picnic cruiser. Il y a aussi une version fishing. Et c'est un bateau qui est étonnant, il fait 5 mètres de longueur, de coque, 5,50 m hors tout, il pèse 800 kg, batterie incluse. Il est équipé d'un moteur hors-bord électrique RAD de 40 kW. Voilà, au centre du bateau, ben on ne le verra pas, on a des batteries. Des batteries NMC, 25 kWh, 29 kWh pardon, de batterie. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce bateau, qui est le débot type, hein, qui va avoir une utilisation côtière en mer et puis surtout en eau intérieure, c'est que ce bateau, ben, il a des performances assez étonnantes. Il peut monter à 25 nœuds, pas mal quand même. À sa vitesse de croisière, qui se situe entre 16 et 18 nœuds, sachant qu'il déjauge à 14, on va avoir 1h30 d'autonomie, donc en gros 25 000 nautiques d'autonomie. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à 5 nœuds, le bateau, ce picnic cruiser de Valkama, il a une autonomie de 100 000 nautiques. Autant dire que sur des lacs, sur des eaux intérieures, bah, en fait, il y a toute une utilité et un bateau en fait extrêmement judicieux dans son choix. Alors, c'est un petit bateau pique-nique. Donc, à l'arrière, on a une table, on a un carré. Les finitions sont étonnantes. Au centre, la cuisine. Voilà, parce que les Nordiques, ils aiment bien pique-niquer, ils aiment bien les grillades. Et puis, à l'avant, on va avoir le poste de pilotage, un avant ponté, voilà, surélevé, voilà, pour faire un top and go et aller chercher les amis. Et alors, ce bateau, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout à fait remplacer la barre par un joystick, voilà, parce que tout est connectable. Étonnant sur ce bateau, c'est son prix. Il est à 75 600 euros hors taxes, pardon, tout équipé, ce qui en France le ramènerait à peu près 90 000 euros. Voilà, ce qui est assez unique sur le marché des bateaux électriques, surtout en aluminium. Voilà, et avec cette qualité de finition et de présentation. Alors moi, quand j'ai vu cette coque aluminium avec cette forme, je me suis dit forcément, là derrière, il y a un système de presse haute puissance, 5000 tonnes dans ce cas-là, qui permet d'obtenir ce design. Bah, pour les professionnels qui sont intéressés, Valkama cherche des distributeurs en France. Voilà, c'est Valkama, le pique-nique cruiser électrique du chantier finlandais Valkama.